Ok. Là, aujourd'hui, j'ai trouvé un terrain de jeu énorme. Énorme, énorme, énorme. Alors là, donc la petite Tamiya TT02. Aïe, aïe, aïe. Allez. Comment ça roule ça? Là, pour la tenue de route, on est vraiment bien. Alors, là, là-dessus, on a monté un vario 150 ampères, donc qui est capable de prendre 6S. Là, elle tourne en 3S, moteur 3500 kW et module 48 dp. Donc c'est à première vue un peu plus silencieux que du module Tamiya. Oui, c'est plus silencieux. Tamiya en 06. Voilà, on n'entend rien du tout. Quasiment. On c'est une transmission par cardan. On a une spoule à l'avant. On a un diff arrière très très dur. Pas bloqué, mais très dur. Voilà quoi. Donc là, au niveau tenue de route, on est vraiment, vraiment, vraiment à l'aise. La voiture, on en fait ce qu'on veut. Clairement. Voilà. Si on veut la faire glisser, on la fait glisser. Si on veut la faire aller bien droit, et ben on y va. Donc voilà quoi. Donc là, il y a un petit peu d'expo sur la direction.
un petit peu d'expo sur les gaz aussi, pour pas que ça soit trop nerveux. Le start mode sur le contrôleur, il est au plus faible. Donc prochaine étape, mettre un peu plus de KV. Là j'ai un 3500 et j'attends un 5002 si je ne me trompe pas. Et puis après on va travailler aussi un petit peu l'aérodynamisme. Là j'ai pas découpé ici cette partie là, on va l'ouvrir. Et puis aussi peut-être en dessous mettre des plaques de carbone ou de plexi, histoire que l'air s'engouffre pas plus. Après en termes de kilomètres heure, je vais mettre en route le petit GPS pour voir. Là on a une Nipo 3S Genes 5000 mAh, ce qui est largement. Terrain de jeu incroyable. On pourrait se faire une piste un cinquième pour limite échelle. Hein. C'est un boudron tout neuf. Et j'ai même peur d'être tellement loin d'avoir des pertes radio. Ah, ça envoie un petit 80. Normalement en 3S je vais être à peu près à 80 km. Vraiment aucun problème pour aller tout droit. Je peux mettre gaz. Et du froid, on a des bons pneus mousse. Et voilà. Hop. Il fait une bonne température, le sol est chaud. Et voilà, la suite, prochaine aventure.